Ando s'est mis avec Shane le déchet. Il s'appelle pas sympa Shane. Pour Shane. Mais il s'appelle pas Shane. Mais il y en a un qui s'appelle Shane. Bah oui, mais c'est quoi cette musique? Bah, qui c'est qui a pas fermé les poules? Qui m'a donné un bol décoratif, genre? Qui a fermé les vaches? Oh, et où mon bol? Tiens, mais regarde-le, j'en veux pas, moi. Il était sur la table. Oh, les panneaux. Il en faut 5 goldés. Combien? 5 goldés. J'en ai déjà 10. Des goldés? Oui. D'accord, écoute, okay. Je fais des choses de haute qualité, moi. Je viens d'avoir... Ils sont panés. T'as des cookies? Oui. Ils sont panés, du coup. Mais il a mangé des cookies! Est-ce qu'ils sont panés? Mais... Les oui, ils sont panés. Ah, merci. Pourquoi les cookies? Mais qu'est-ce qui se passe encore, vous deux? Vous êtes insupportables! Elle a mangé des gâteaux! Mais pourquoi elle a mangé le gâteau? Je sais pas. Qui a mangé le gâteau? Celui qui touche à ma glace, je le tue. Et le matin, c'est pas bon pour la santé, hein. De quoi, j'avoue, les cookies? Les cookies trempés dans le lait ou le café? Oh, arrête, moi je déjeune pas à cause de ça. Pourquoi? Bah parce que sinon je regarde le paquet de biscuits et je prends 20 kilos. C'est, ne serait-ce que alors, je le regarder, moi c'est comme ça que ça fonctionne. Alors correction, tu les fais maison, c'est très facile à faire. Les cookies maison, oui c'est facile à faire. J'ai juste appelé Monsieur C, puis voilà. Non, non, mais tu les fais toi. C'est incroyable, incorrigible. Bon, là prochainement, je préfère vous le dire, je vais avoir droit à des crumpets. Des quoi? Crumpets, c'est quoi? Des crumpets? Crumpets. Non, c'est. C'est des Donald Trump croustillants? Non, c'est des espèces. Je peux la faire ou pas? Attendez, je. Non, c'est bon, vous avez arrêté les blagues? En fait, c'est un biscuit, si je dis pas de bêtises, anglais, qui ressemble à des espèces de pancakes dans l'aspect. Donc il me tarde de voir ce que c'est. J'en ai jamais mangé. C'est une amie à moi qui m'a dit que ça existait parce que je sais pas pourquoi je parlais de. J'avais envie de bruncher parce que voilà, je suis quelqu'un de raffiné. Et, et la dernière fois, il avait fait des scones. Et les scones, c'est bon. Et on m'a dit, les scones j'aime bien, mais alors les crumpets c'est encore mieux. Et j'ai dit, mais c'est quoi les crumpets? Et voilà. Histoire de ma vie. D'accord. Ça fait de sacrés VOD. C'est très intéressant, écoute. Je suis subjugué en fait. Histoire de Yaki. Ah, mais t'es goût de bout du gré de mon ananaya. On fait le jingle, go, c'est parti. Ah, mais. Alors, je voulais dire quoi? Oui, il reste 3 jours pour les ossements. Ouais, mais je pense que les ossements, ça va être mort. Ça va être complicado. Ça va être très très complet, ouais. Là, je dois aller voir Kunter. Hein. Pour lui toucher le tralala. Tu savais. Alors, les gars. Oui. Il y a un moment, il va falloir planter les arbres fruitiers. Mais on ça en a mis plein, blague. Non? Bah, je crois pas ça qu'on en ait mis de tous. Hein. Si, je crois qu'on en avait mis un sur certains. Deux, on je avait sais mis... pas. Alors, attends, je vais regarder. J'ai le plan, je vais te dire. Arrêtez, je crois qu'on a un cerisier qui est en place. Est-ce qu'il a poussé? On avait prévu non, au moins il a pas poussé, les arbres fruitiers mais du printemps. Il est là, il est en train de grandir. Donc on a le cerisier qui est en place. Oui. D'accord. J'ai donné des panais. D'accord. Ah, il a donné des panais. De très bien. Ils sont panais. De panais. Oui. Un abricotier qui est en train de pousser. Ah. Ah, l'abricotier, cool. Un abricotier. Je crois qu'il est je là. Je suis avec Chanel. Mais question par rapport à ça, quand tu plantes un arbre fruitier, disons, après tu fais ta vie pendant... On n'a pas mis de... Attendez, je regarde. On n'a pas mis de pêcher. Je on n'ai pas, pas mis compris d'oranger. Ta question, Jake. Je n'ai pas fini de la poser, en fait. Ah, d'accord. Tu plantes un arbre fruitier. Tu te dis, voilà, là, je plante un arbre fruitier, etc. Tu vas faire ta vie pendant quelques jours, quelques mois dans le jeu. Tu reviens sur cet arbre par la suite. Est-ce qu'on peut savoir, s'il n'y a pas les fruits dessus, quel arbre c'est? Oui, ils ont une apparence différente. Tu regardes, les arbres ont tous un aspect différent. D'accord. D'ailleurs, celui qui est planté là, je sais pas ce que c'est, mais il y en a un qui est planté là et qui est bizarre. Implanté. Ouais. Et je sais pas qui l'a mis et pourquoi il est là, mais il est bizarre. D'accord. Mais c'est sûrement toi qui l'avais mis parce qu'il fallait le mettre, je sais pas quoi. Est-ce qu'on... Je vais dire quoi. Oui, ceux qui regardent l'écran côté Ivasand, si vous voyez cette paire de ciseaux, sachez que moi, ça me fait penser à une paire à agrafes pour arracher des choses. Voilà. Je suis dégueulasse.
Je sais pas, suis consterné, je pense, je dirais. Grange de luxe, grange de luxe. Mais... Oui, luxe, grange de luxe. La chèvre. Le chèvre. Comme oui, il faut une grange de luxe. Ouais, ouais, comme si comment ça leur suffisait pas, quoi. C'est comme si on mettait une grange à Dubaï. Oh non, non, à Dubaï, hein. C'est plus ça. Tu mets les moutons et les vaches à Dubaï, c'est les nouveaux influenceurs sur W9 et compagnie, quoi. À Dubaï, hein. Ah mais il y a des fleurs là, mais qui est le zouf qui avait fait ça? Bah toi. Bah oui, je sais. Oh Miou. Le zouf. Miou. Pardon le chat, je voudrais passer, mais il me bloque le chemin. Nino. Oui. Derrière le poulailler, il y a des barrières qui sont décédées. Oh merde. Mais on attends, je suis en train de faire une forêt là. Je suis en train de planter une forêt. Excuse-moi de t'avoir dérangé. Ah bah ouais, écoute, je suis en train de travailler moi dans cette ferme. Je suis en train de couper des arbres que Jake pourra couper. Ah, ça c'est bien. Ah, ça, je pense ça, c'est une bonne nouvelle. Peut-être c'est quoi, je voulais que je vous montre où c'est, que tout le monde sache. Oui. Non. Eh bah, c'est en bas à gauche. Voilà, débrouillez-vous avec ça. En bas à gauche. C'est drôle. Je rappelle que la plupart des gens confondent leur gauche et leur droite. C'est pas moi. Cherche une forêt d'arbres. C'est le bon endroit. En fait, c'est totalement moi. Le chat, il veut pas... Non mais, Ryaki, je ne peux pas passer. Eh ben, j'ai envie de te dire... quelque chose qu'on n'a plus le droit de dire. Ah oui. Voilà. Je suis dégoûté. Non, on n'a plus le droit. Non, non. Pourquoi on n'a plus le droit? Ah, parce qu'on n'a plus parce le droit. Parce que la signification réelle de chat est très... désobligeante. Mais c'est... Enfin... Ok. Ça dépend. Tu penses à arroser les fleurs autour de... du miel? Bah oui, oui, c'est fait. C'est arrosé, bien. Ça? Ah oui. 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 Bien. Comment vont les vaches? Je pense que le contexte peut beaucoup aider pour ce genre de formule comme tout le reste. Bon, vache, le chat, c'est bon? Mais comme beaucoup de mots de la langue française, d'ailleurs. Mais exactement. Mais oui, il a raison. Donner une médaille à ce type. Nostral pourrait nous expliquer tout ça, d'ailleurs. Qui ça? Australix, hein. Non, je la connais pas. À l'ESP, langue française, elle est pas... Ouais, alors, ben selon moi, vous, comment on traite une vache? Avec un seau. Je l'avais déjà dit, ça. Mais est-ce que vous avez déjà traité une vache dans votre vie? Tu prends le seau, et puis tu tires. Non. Et Nino et Yaki? Pardon, quoi, moi? Est-ce que vous avez déjà traité une vache? Il y a Raga qui dit pauvre vache à côté. J'ai non, pas mais compris, excuse-moi. Pour de vrai, est-ce que vous avez déjà traité une vache dans votre vie? Non, non, jamais. Parce que je ne suis pas un gars de la campagne profonde. Non, j'ai jamais trait de vache. J'ai connu les montagnes, j'ai connu très bizarre. La je sais comment on campagne, fait, mais sur pas principe, la campagne mais... profonde. Voilà, c'est sur principe, quoi. Oh, merde, c'est barré. Je suis un reclus de la société. Est-ce que dans le chat, vous avez déjà trait une vache? Je crois qu'ils vont tous te dire non. Ça y est, il est 17h, les vaches et les poules sont en train de rentrer. Eh bien, c'est chouette. Hein. Ça j'avais une vache qui était devant ma maison. Non, le chat n'a pas très bien. Et le chat est en train de pioncer au milieu du chemin. Ah, je crois il a qu'il va, il va dire j'en avais marre de jouer à Stardew, je comprends pourquoi. Ah, ça y est, je me souviens. C'est pour ça qu'il voulait quelque chose de beaucoup plus vivant, tel que Dark Souls. Dark Souls. Ouais. C'est moi. Ah, je viens de comprendre. Arc-en-ciel te dit non, il a pas trait une vache. Oui, et Andois te dit oui, quand j'étais petit, on avait fait une sortie scolaire à la ferme. J'ai aussi répondu. J'écoute plus, moi, en fait. Hein. Je suis désolé. C'est le running gag qu'on avait. Hein. On m'écoute jamais. Mais oui, mais on m'écoute jamais. Je trouve un trilobite. D'accord. Ça en fait 3 pour le prix d'un, du coup, c'est trop, trop bien. Quel gourmand. Ouais, moi je pensais plus à un Pokémon, mais... Non, le Pokémon, non. C'est Kabuto. Oui. Oh, punaise. Moi, j'aimais pas trop Kabuto, je préférais Ammonita. Ah, Ammonita, il est stylé. Je sais pas, j'aime bien Ammonita. Par contre, entre Ammonistar et Kabutops, je préfère Kabutops. Hein. Kabutops.
Mais c'est ça qui me dérange en fait. C'est que comment Kabuto devient Kabutops comme ça, je comprends pas. Mais il s'est levé. Il a écouté Julie Pietri, et voilà quoi. Voilà. Oh, une note secrète. T'as trouvé une note secrète. Oh. Ouais. T'as découvert le mystère de le Chine. Que raconte-t-elle? J'en ai beaucoup des notes secrètes. Oh non, pas celle-là. Oh non. Ah, mais elle est facile. Je crois que la fin, c'est derrière une baraque. Il me semble, ouais. Je la ferai demain matin. C'est derrière le centre communal, un truc du genre. Ouais. Ou s'il faut, pas du tout. S'il faut, c'est l'autre. Hein. Mais bon. Alors, j'ai un arbre à identifier qui est inconnu et je le trouve pas sur le wiki. Il y en a qui veulent se pencher sur la question. C'est l'arbre inconnu. Ben, pour rester dans le stream de cet après-midi, c'est pas le soldat, c'est l'arbre inconnu. C'est ça. Derrière la baraque de Lewis pour un magnifique cadeau. C'est pas vrai, c'est pas un magnifique cadeau, c'est mauvais. M-O-V-E. Cuivre, charbon, fer. Double. 80, moustache, 7 et une boîte de ravioli. Boyal. Ah, mes oreilles. Mais je croyais que mon son n'était pas fort. On m'aurait donc menti. Ah, ça fait de la bouillie. N'oublie pas de replanter les trucs. Mais alors oui, j'irai demain. Je voulais faire des poissons pour donner l'argent à la ferme. Parce qu'on va avoir besoin d'une grange de luxe, je sais plus quoi. Là. Oui. Et on, je sais déjà comment on va pouvoir l'appeler. Ah, on va pouvoir l'appeler... Attends, Hermione. Hermione Texas Ranger. Si tu veux. Le goudron de pain, vous le mettez où? Y a un coffre en bas avec du miel, des goudrons de pain et tout le bordel. Ah bon? Et ce n'est pas celui-là. J'ai dit en bas. Oui, j'ai dit en bas. Mais non, toi, j'étais dit pas celui-là. Alors, bah là, il y a du c'est encore Jake qui fait des siennes. De toute façon, c'est toujours Jake. Pourquoi je dis pas encore? Il coupe des arbres, il se trouve de coffres. Jake, reviens ici. C'est ce coffre-là. Drôle. Non, raté, c'était celui-là. Pardon. Pardon. Alors. Non, j'ai pas fait exprès, pardon. Si, tu as fait exprès. Non, j'essaye de me contrôler. Ah oui, non, c'était celui au-dessus. Elle me contrôle. Quand on dit ah, j'étais pas prêt. Hey, ah, j'étais pas prêt non plus. Y'a qui? Quoi? J'ai un cadeau pour toi. Je veux pas de ta douche dorée, va-t'en. Viens. J'ai un cadeau pour toi. Je veux pas de ta sève, c'est ignoble, va-t'en. Elle a une libellule, Nino, sur la tête. Mais elle a pas de libellule, c'est de la sève. Sève, lève-toi. Non, voilà. Non. Mais guide, mais pas. Ouais, si tu veux. Non, c'est elle me contrôle et guide, mais pas. C'est que le troisième jour. Il est que 22h. Oui. Attends, je prépare le marqueur. Et ça promet. Merci. Ah, mais on doit mettre une description. Non, 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 t'es pas obligé. Ok. Attends, mais t'as une pièce avec des lits? Oui. Non, mais. Mais pourquoi on dort là? Allez, deux! Parce qu'on peut pas utiliser ces lilas, je crois. Lilas, jasmin. Jasmin. Le pouvoir des fleurs. Bon, qui c'est qui est pas au dodo là? Bah, je suis moi. Allô? Oui, Allô? Oui, je passe sous un tunnel. Mais t'étais à côté de la maison il y a 2 secondes. Ah, il arrive. Vite, Imra! Vite, t'as plus le temps! Mais qu'est-ce qu'il a dans la main? Qu'est-ce qu'il a? C'était la note coco de Koh-Lanta. Oui! Oui! Attendez. Pané. Agriculture de niveau 9, nouvelle recette, arroseur en iridium. Oh, ouais! Il me faut de l'iridium. Oh. Vraiment! Il me faut de l'iridium, Imra. S'il vous plaît. Je sais pas où c'est. Tu te débrouilles, s'il te plaît. Il est où le wiki?